Média de référence en Côte d'Or, le Bien Public propose quotidiennement des informations détaillées et décryptées. Chaque jour, ce sont près de 39 000 exemplaires distribués, soit 161 000 lecteurs. Sur le digital, le site bienpublic.com offre une information instantanée et en continu qui associe les réseaux sociaux et s'appuie sur une rédaction forte de 52 journalistes et 150 correspondants. Grâce à cette audience, le Bien Public s'inscrit comme le premier média de Côte d'Or. Couplé avec une large gamme de supports multithématiques, magazines ou livres, le Bien Public propose à ses partenaires de nombreuses solutions de communication sur mesure multicanal. Le Bien Public est aussi le média des décideurs et des entreprises avec une offre rédactionnelle et de communication dédiée. Le cahier économie décrypte chaque mardi l'économie pour près de 161 000 lecteurs. Le Bien Public innove et se réinvente chaque jour pour proposer à ses lecteurs, ses internautes et ses annonceurs une information de qualité au plus près de leurs attentes. Rebonsoir Frédéric Bouvier. Rebonsoir. Alors, comment au quotidien le Bien Public met en valeur les artisans du territoire ? En fait, le Bien Public, c'est 4 éditions hein, au plus près du territoire. Il y a la Haute-Côte d'Or, il y a la région bonnoise, il y a la région dijonnaise et puis l'agglomération dijonnaise. Et les équipes de locales défendent le territoire en fait. On est très fiers d'être implantés en Côte d'Or et nos équipes de journalistes sont au cœur du territoire et cherchent comme ça ces pépites qu'on vient d'en voir là, qui est montée sur scène, on en verra d'autres. Ils les cherchent tout au long de l'année pour mettre en valeur justement ce savoir-faire. Et alors on est dans un pays de gastronomie, donc ce soir vous remettez le trophée des métiers de bouche. La gastronomie, c'est bien présent aussi dans vos colonnes. Oui, tout à fait. Surtout qu'on sort de la foire gastronomique de Dijon, où on a consacré nombre de pages. Les journalistes qui ont travaillé dessus peuvent en témoigner. C'est vrai que la gastronomie nous tient à cœur. Cette année, on n'a pas pu faire les trophées de la gastronomie, justement. On espère renouveler ces trophées en 2022. Mais on a aussi plein d'offres avec le magazine À Table, hein, qu'on n'a peut-être pas vu dans la bande, mais on a plein d'offres autour de la gastronomie. Merci Frédéric, je vous laisse dévoiler le nom du lauréat du trophée des métiers de bouche artisans de l'année. Alors le lauréat est la brasserie des Trois Fontaines à Bretonnières, représentée par Vigile Berthiaud, artisan brasseur. Nous sommes ici à la Brasserie des Trois Fontaines, qui est située donc dans la périphérie de Dijon, dans la métropole, à Bretonnières. On est brasseur depuis 2001. Nous fabriquons deux gammes de bières. La gamme principale, la Mandubienne, qui est déclinée en blonde, ambrée, brune et blanche. Et on a également la gamme Téméraire, qui est la gamme à connotation terroir, avec une blonde au marc de Bourgogne, une ambrée au cassis et une blanche aux épices de pain d'épices. On s'attache à utiliser des matières premières 100% locales. Pour notre bière blonde, on utilise un malt cultivé, récolté à 15 km de la brasserie. C'est ce qui nous a permis d'avoir le label 100% Côte d'Or. Bravo à vous. Bravo. Bonsoir à tous. Félicitations à vous et à Peggy qui vous accompagne. Eh oui, ma femme depuis une paire d'années. Oui. Et qui est là. Bravo à vous également, Peggy. Label 100% Côte d'Or. Oui, label 100% Côte d'Or. C'est vrai que quand on a lancé l'entreprise il y a une vingtaine d'années, le but c'était dans un pays de vin, eh ben, d'avoir un petit peu de folie et de renvoyer de remettre à jour le savoir-faire brassicole bourguignon. Et donc, on y arrive tout doucement avec le malt et puis aussi le houblon qu'on le a houblon relancé. Qui est local aussi. Tout hein. à fait, ouais. Le houblon qui est local, qui est juste à côté de Saint-Julien et une variété qui vient de chez nous qui s'appelle le tardif jaune de Bourgogne. Alors, vous avez lancé une gamme de cocktails également avec une célèbre maison lyonnaise. Tout à fait, oui, pour innover un petit peu avec... une maison de liqueurs qui s'appelle une petite maison hein. Briotet, voilà. Ouais, on a développé trois cocktails pour mettre en avant la bière, mais aussi les liqueurs de chez nous. Bon voilà, puis tout ça fait rêver. Hein. Cette ambrée au bourgeon de cassis, c'est ça ? Voilà, c'est la gamme téméraire. Ouais. Une ambrée au bourgeon de cassis, une téméraire au marc de Bourgogne. Ça, c'est une petite note bourguignonne.
Ouais, et puis la blanche aux épices de pain d'épices. Et la blanche aux épices de pain d'épices, tout à fait. Bon, voilà. Et c'est la maison, la brasserie des Trois Fontaines. Brasserie des Trois Fontaines. Peggy et Virgile Berthiaud. Félicitations à vous. Merci, merci à tous. Je vais recevoir votre trophée. On vous laisse aller poser pour la photo.